si la poste veut qu'elle est plus distribuée, les candidats veulent qu'elle puisse y distribuer dans les délais, eh bien, qu'elle fait en sorte qu'elle nous imprime. Mais c'est là nous y avec. J'ai de la facteur en grève, premier jour à grève à yo, pour yo dénoncer déjà en premier temps dégradation à conditions de travail à yo, face à surcharge à ce qui a créé la distribution des plis électoraux. Et j'ai dit là, pourquoi yo en grève? Yo en grève parce que la poste a refusé de bailler une prime exceptionnelle pour une situation exceptionnelle. Alors il faut savoir que c'est la première fois que nous avons retourné nous face à trois tours en l'espace d'un mois. C'est-à-dire que c'est une situation inédite et c'est pour ça que nous avons demandé une prime exceptionnelle. Alors il faut savoir que la poste qui a touché l'argent, ils sont subventionnés par l'État à hauteur, pour on va prendre l'exemple des élections européennes où il y a 80 000 euros. Jodla, on y a deux tours qui viennent là, on va penser qu'il y a eu pis des dizaines de millions d'euros qui ont eu bayo. En retour, c'est les facteurs qui ont continué. Fait travail là, où il y aura distribué en un mois plus de, en tout cas à peu près 1 million de plis, et avec 0 euro. Nous pas dit c'est inadmissible. La CGTG est présente. En intersyndicale aujourd'hui, parce qu'il s'agit là de revendications fondées qui représentent dans le sujet que nous traitons aujourd'hui, à savoir la distribution des plis électoraux, une requête sollicitée par l'intégralité des camarades du courrier. Il faut savoir que quand les organisations syndicales se réunissent en intersyndicale, c'est que nous sommes mandatés de par l'intégralité des salariés pour porter leurs revendications. Le syndicat FO est mobilisé avec les autres parce qu'on trouve le combat juste, on trouve le combat légitime par rapport à une situation bien particulière. Quand tu vois que dans le contrat que l'État fait avec la Poste, c'est quand même entre 83 et 86 millions d'euros. Donc on se dit quand même, on peut essayer de partager avec les gens qui effectuent le travail, c'est-à-dire les facteurs. Les facteurs sont des professionnels, ils connaissent le travail, qui d'autre que peut bien faire le travail, c'est bien les facteurs. Donc il faut aussi partager, et ce qu'on nous a proposé jusqu'à maintenant, ce n'est pas intéressant pour les facteurs. Nous, on veut qu'il soit attribué une compensation à la hauteur. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une grève illimitée. Il faut savoir que tant localement, que nationalement, la Poste en général est en grève aujourd'hui dans le cadre de ces distributions électoraux parce que nous demandons une compensation financière en lieu et place de des actuelles heures supplémentaires qu'ils nous donnent parce que nous voyons que distribuer le courrier sur le mode et être valorisé sur le mode des élections, des heures supplémentaires, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas équitable pour l'ensemble des facteurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à la Poste, actuellement, nous avons différents types de personnel, des fonctionnaires, des salariés, et nous ne sommes pas payés de la même façon. Donc nous demandons à être payés à travers égal, salaire égal. On croit bien vrai que les imprimeurs, en tout cas, ils étaient sous-bouqués. Ils ont touché l'argent. C'est normal. On dit, là, on va mettre les professions de foi souplis à la préfecture, ou une dotation aussi au Kabamoun. Jodla, facteur a distribué, puis là, et pour 0 euro. Nous avons dit, dans tous les domaines de la vie, la qualité et le professionnalisme, ça se paye. Et nous avons demandé une seule qu'il y ait une prime exceptionnelle pour nous distribuer les plis électoraux. Et ça, ça va de soi. C'est là que nous y avons. Si la Poste veut qu'elle ait plus distribué, les candidats veulent qu'elle ait plus distribué dans les délais, eh bien, qu'elle fait en sorte qu'elle ait une prime. Mais c'est là que nous y avons.